Shalom Uvracha, bienvenue sur Israël Torah. Une fois de plus, nous vous invitons à partager ces moments de Torah avec vos proches. Et aujourd'hui, nous allons une fois de plus traiter du sujet donc que nous avons choisi, l'importance de la terre d'Israël. Et là, nous allons dans une résolution encore plus précise, pénétrer dans une notion que nous donne le Rabbi David Chaim Avraham Azoulay, le Chida, le grand-père du Chida, dans son livre Chesed le Avraham, dans le fleuve 3 et dans le Nahar Kaf Bet 22. Il nous parle de la différence entre ceux qui seront là avant la venue du Mashiach et de ceux qui viendront après le dévoilement du Mashiach. Donc nous avons déjà ici une première preuve que le Mashiach viendra alors qu'il y aura encore de nos frères qui vivent à l'extérieur. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence? Ils viendront après, c'est fini. Eh bien regardez ce qui va se passer, nous dit le Rav Chida. Masoret Kabbalah Beyadenu. Nous avons reçu ça de père en fils depuis Moshe Rabbeinu. Ki be'oto yom sheyavo haMashiach, le jour où le Mashiach va apparaître, im kibbutz galuyot le'eretz Israël, lorsque les exils vont être rassemblés sur la terre d'Israël. Rabotai, nous sommes en train de vivre cette époque. Je vous rappelle que chaque semaine arrivent des avions avec des olim chadashim. Donc nous sommes dans cette période messianique. Yichyu ametim sheba'aretz. Cela va faire vivre les morts d'Eretz Israël. Autrement dit, le Rav Chida est en train de nous donner ici un parallèle entre la venue de nos frères, des Olim Chadashim, et la résurrection des morts. Il faut bien comprendre qu'en réalité, cette résurrection des morts n'est pas seulement sortir des cimetières, mais tout simplement revenir à la vraie vie. Les murailles de feu vont quitter Jérusalem pour laisser la place petit à petit à l'érection du Beth Amikdash, du troisième temple d'Israël. Et les gens qui habitent ici vont devenir tellement limpides, tellement spirituels, qu'ils vont devenir avec un corps d'esprit. Équivalent au corps du premier homme de Adam Arishon avant la faute. Regardez l'étage auquel vont monter les habitants de la terre d'Israël. Regardez jusqu'où va le Rav. Les hommes d'ici vont avoir le corps comme celui de Chanoch et celui de Moshe Rabbeinu alav shalom, et comme celui d'Eliyahu Hanavi. Veyashutu kulam ba'avir. Alors là, c'est un film de science-fiction. Ils vont tous voler dans les airs. Mais on fait film kanesharim comme des aigles. Vekolze, tout ceci, les aînés anche kibbutz galuyot, face aux yeux de ceux qui viennent d'arriver après la venue du Mashiach. Ou que chez Israël, bnei kibbutz galuyot irou. Et lorsque ces olim chadashim nouveaux vont voir que les anciens, que ceux qui sont déjà sur cette terre, naasu beriot chadashot, sont comme des anges en train de voler, ou porim ba'avir, ils sont en plein air. La lechet vela dur began eden tachton l'ilmot Torah mi pi Hashem mitbarach. Pourquoi ils vont voler? Pas parce que ça fait plaisir. Tout simplement parce qu'ils vont écouter des cours de Torah donnés par la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, lorsque les gens vont voir ça, Azaït Kabloubne Kibbutz Galuyot Deaga Bilvavam, ceux qui viennent d'arriver maintenant vont commencer à se faire beaucoup de soucis. Veda avon nefesh. Veitra amu le melech HaMashiach. Ils vont
commencé à faire des manifestations contre le roi Mashiach. Pourquoi ? Veyomru vechi en banu bnei Israël kmotam. Ils vont dire, mais on n'est pas comme eux, nous. On ne vaut pas ce qu'ils valent. Pourquoi eux vont étudier avec Akadosh Baruch Hu et nous, non ? Mais Ein Zachou, pourquoi ils ont eu ce mérite ? Liot Ruchaniim Begouf, Mashen Anu. Pourquoi eux sont arrivés à ce niveau et nous non ? Écoutez bien, Rabotai. Veomer Lahem Melech HaMashiach, et le Mashiach va leur répondre. Nodaou Mefursam Shekol Midotav Shel Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu il agit mesure pour mesure. Atem Shehayitem Bechoul, vous qui étiez en dehors de la terre d'Israël, Veishtadaltem Lavolar, et si vous avez tout fait pour venir sur la terre d'Israël, pour y habiter, pour avoir justement un nettoyage de votre corps et de votre vie, et vous n'avez pas réellement pris en compte les soucis d'argent, parce qu'il y en a sur cette terre. Mais vous avez quitté votre terre d'exil pour venir malgré cela. Sur la terre d'Israël, vous avez utilisé Bayam, Bayabasha, en bateau, à pied, aujourd'hui on peut rajouter par les airs. Ba'avur sha'asu haikar mirucham. Essentiellement, ils ont fait de leur esprit l'essentiel et pas de leur corps et de leur argent. Lachen chazu liot ruchanim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a rendus subtils. Pourquoi ? Parce que c'est mesure pour mesure. Ils ont cherché la subtilité en quittant tout le monde matériel et l'aise, la facilité dans laquelle ils vivaient pour justement cette terre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va leur donner le répondant de cela. Ve'atem. Mais vous, Sha'item Yecholim Lavola Haaretz, que vous pouviez venir sur la terre d'Israël, Kmotam, exactement comme eux, Venitra Shaltem, mais vous n'avez pas voulu, Ba'avur Chemdat Hamamon, parce que vous aviez beaucoup de soucis au niveau de votre argent. Comment je vais vivre là-bas? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est trop difficile là-bas, j'ai envie de gagner ma vie tranquillement et vivre dans l'aisance. Eh bien, puisque vous avez mis l'essentiel au niveau de votre argent et de votre corps, lachen ish'artem gashmiim, aujourd'hui, vous allez rester au niveau de la matière. Et vous allez voir les autres en train de voler dans les airs. Et puisque vous aviez tellement de recherches au niveau de la matière, je vais vous mettre dans la mer de Jaffa, à Yafo, et vous allez récupérer tout l'or que les bateaux ont perdu durant toute l'histoire. Quelle histoire tragique, qui veut dire ici, bien entendu, il faut dépasser le premier degré, que ce pourquoi tu vis, c'est ce que tu vas recevoir en réalité d'Akadosh Baruch Hu. Si l'essentiel de ta vie, c'est de partager cette lumière divine, eh bien c'est ce que tu vas faire. Si l'essentiel de ta vie, c'est d'avoir du bien matériel, c'est ce que tu vas recevoir aussi. Mais en réalité, il faut savoir où se placer. Toda Rabah.